Bonjour Véronique. Bonjour. Donc vous venez de nous interpréter un très beau morceau de musique à la flûte. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il dit ce morceau ? Bien, c'est un morceau que c'est un ami écossais et d'origine écossaise et américaine qui me l'a fait découvrir, avec qui je joue, qui s'appelle Roderick MacLeod. Et qui, c'est un morceau qui s'appelle « Be to my vision », « Que tu sois ma vision ». Donc, évidemment, c'est chanté en anglais. Et je lui ai dit que c'était très joli comme musique et qu'il me fallait la traduction française. Et voilà, je vais vous dire cette traduction. « Sois toi ma vision, Seigneur de mon cœur. Rien d'autre n'existe pour moi sauf ton être. » Sois ma meilleure vision de jour comme de nuit, éveillée ou endormie, ta présence est ma lumière. Sois toi mon bouclier de guerre, l'épée de mon combat, sois toi ma dignité et mon ravissement. Toi l'abri de mon âme, toi ma forteresse, emporte-moi au ciel, source de ma puissance. Roi du haut des cieux, la victoire acquise, que je puisse atteindre les joies des cieux au fil du firmament qui brille. Cœur de mon propre cœur, quoi qu'il advienne, demeure toujours ma vision, ô Seigneur Tout-Puissant. Très beau. Là, c'est un morceau qui est dédié au Christ ou au Dieu. Oui, c'est dédié au Christ, oui. Qu'il a été composé comme ça pour être dédié au Christ ? Oui, c'est un hymne qui existe, un vieil hymne irlandais et qui existe dédié au Christ, oui. Alors, Véronique, j'aimerais bien, maintenant que vous nous avez fait part de ce que vous veniez de jouer, que vous vous présentiez un peu. Parce que là, vous êtes de passage sur Montpellier, et je profite donc pour vous avoir ici au micro de RCF Maglone Héro. Je vous remercie d'avoir accepté d'ailleurs de passer quelques temps avec moi. Ici, on ne vous connaît pas trop. Dites-nous d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené ici ? En fait, j'habite à Marseille, mais je ne suis pas du tout marseillaise. Je suis une ch'ti, née dans le nord, à Valenciennes. Et je vis dans le sud de la France depuis l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai toujours, dès mon enfance, joué dans les églises. Quand j'étais enfant, je jouais de la flûte traversière classique. Et j'ai arrêté la musique à 18 ans quand j'ai quitté mes parents pour faire ma vie. Et donc, je jouais déjà dans des églises avec un orgue quand l'occasion s'y prêtait. J'aimais beaucoup ça. Et puis, 20 ans après, je reprends la musique et j'ai découvert la musique irlandaise, mais ça, je vous expliquerai après tout ce parcours avec la rencontre avec une cornemuse. Un jour, je suis allée me promener à Cotignac, hein, là où il y a eu un lieu d'apparition très important de Marie, de Joseph, lieu de la Sainte Famille. Et je suis rentrée dans l'église et j'ai poussé un son vocal et il y avait 4 échos dans cette église. Je me suis dit, mais c'est un endroit merveilleux pour jouer. Et j'ai commencé à jouer de la musique avec la cornemuse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Véronique Duhaime, donc, Cotignac, c'est une rencontre, d'abord peut-être avec Dieu, mais c'est aussi avec la musique dans une église. Quelle est la suite ? Eh bien, je jouais donc dans cette église et puis un prêtre est sorti et il avait les larmes aux yeux et je trouvais le son magnifique. Et puis, je suis restée dans l'église et puis j'ai été au chapelet et puis ça a été une conversion totale. Et j'ai connu donc les frères Saint-Jean et Cotignac. Et
il y a eu une messe où j'ai joué, et il y avait le frère Saint-Jean du Sacré-Cœur présent, et qui m'a dit, mais il faut que tu viennes à Montpellier jouer dans mon église. Et j'ai dit, tu crois ça? Il me dit, mais oui, l'église est grande, tu verras, faut que tu viennes. Et voilà pourquoi je suis à Montpellier aujourd'hui. Alors le frère Jean, rappelons-le, c'est le curé de la paroisse Saint-Cléophas de Montpellier. Et donc Véronique, il vous invite et vous acceptez volontiers de venir jouer ici parce qu'effectivement l'église s'y prête. Alors il vous a invité pour tout un week-end et vous avez donc joué à l'occasion de toutes les messes, de toutes les cérémonies qui ont eu lieu. Et c'est peu dire qu'il y en avait particulièrement puisque nous sommes à l'approche de Pâques et c'est le moment des communions, des confirmations et tout. Eh bien oui, donc samedi soir, j'ai animé la messe, plus celle de dimanche matin, et ensuite les louanges, et ensuite le dimanche soir. Et à 15h, j'ai fait un petit récital dans la chapelle au pied du Christ, c'était assez émouvant. C'était très 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 beau pour moi, et une belle expérience. Véronique, donc là maintenant vous êtes une musicienne aguerrie si je peux dire et vous jouez dans toutes les églises là où on vous appelle en tout cas. Vous êtes tombée dans la musique comme ça, vous avez suivi des cours de conservatoire, vous avez ce goût pour la musique en tout cas, où l'avez-vous trouvé ce goût ? Bien, j'étais enfant et je prenais des cours de musique classique, flûte traversière. C'était même un prof de clarinette qui m'apprenait la flûte. C'était pas du tout au conservatoire, c'était dans une petite harmonie municipale. Et j'ai arrêté la musique donc à l'âge de 18 ans et je suis partie faire autre chose, en particulier des arts martiaux, mais bon, pas beaucoup trop de lien avec la musique. Et ensuite j'ai repris la musique en voyant un couple de musiciens jouer à Marseille dans une cave voûtée. Et c'était un flûtiste et un pianiste, c'est Jean-Paul Dallenbach et Christian Zandkorn. Et j'ai dit, mais il faut que je reprenne la flûte, c'est vraiment un son merveilleux. Et donc j'ai repris un peu la flûte traversière, et en rentrant d'un cours de flûte, je suis passée devant un bistrot, et il y avait de la musique dedans. J'ai poussé la porte, et c'était de la musique irlandaise, et j'ai dit, mais c'est vraiment très festif et très agréable. Et c'était en 1993, et donc là j'ai découvert la musique irlandaise, que j'écoutais déjà dans mon enfance, mais là j'ai vraiment découvert des musiciens, quoi. Cette musique irlandaise que vous avez découverte, donc au fond dans une cave voûtée, dites-vous, c'était à l'occasion de la Saint-Patrick, parce que où est-ce que dans cette cave on ne joue que de la musique irlandaise ? Ben, c'était un endroit où tous les mois des musiciens se rassemblent autour d'un verre et sortent leurs instruments. On appelle ça une session irlandaise. C'est pas vraiment un concert, c'est une session irlandaise. Et donc moi je suis arrivée avec ma flûte traversière et j'ai commencé à apprendre quelques airs. Et puis en 1997, quand mon père est décédé, j'étais très bouleversée. J'ai dit, il faut que je prenne l'avion, que j'aille en Irlande pour me sortir de cette tristesse. Et c'est là où j'ai rencontré un joueur de cornemuse, Brian McNamara, j'ai entendu le son de la cornemuse et je pleurais complètement tellement c'était beau. J'ai mis 2 ans pour réfléchir et ensuite j'ai fait faire ma cornemuse irlandaise par un luthier et l'aventure a commencé en 1999. Effectivement, vous avez un très bel instrument, une belle cornemuse. Donc, c'est pas un instrument que vous avez acheté dans un magasin, c'est un instrument qui a été fait exprès pour vous. C'est vous qui l'avez peut-être pas dessiné, mais qui en avait été l'inspiratrice. Cette cornemuse, vous avez vous l'avez attendue, cette cornemuse, un peu comme un enfant. Et tout à fait. Encore qu'un enfant, ça s'attend 9 mois. Et certains luthiers demandent des fois une dizaine d'années pour la fabriquer. Et j'ai eu la chance de tomber sur un jeune luthier irlandais qui était aux États-Unis et qui commençait à faire des cornemuses. Et le temps d'attente était 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi d'attente. Et je m'impatientais et j'ai écrit un poème. Je vais vous le lire. Je te cherchais, je t'attendais depuis longtemps. Te concevoir n'a pas été facile. Il a fallu du temps, de la patience, de la précision et de la justesse, et un maître d'art pour te concevoir. Cela fut long et interminable.
Tu es ma compagne qui écoute mes peines et mes joies et mes souffrances. Toi, mon ami intime, qui fait corps avec moi et qui sait tout de moi. Tu chantes quand je chante, tu pleures quand je pleure, tu vibres au son de mon âme, au son de mon cœur. Tu fais danser, chanter et parfois même pleurer ceux qui t'écoutent. Tu es ma respiration, mon cœur, mon expression d'amour. Tu es le son de mon âme, sa résonance. Ainsi je suis avec toi, ainsi je suis avec vous grâce à elle, ma fidèle compagne. Ma cornemuse, qui n'est nul doute aussi que moi-même. Véronique, vous avez attendu cette cornemuse avec beaucoup de patience, 3 ans et demi, dites-vous. Vous en avez d'ailleurs profité pour écrire un très beau poème que vous nous avez lu. Attendre une cornemuse, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est qu'une cornemuse? Parce que c'est pas un instrument que l'on entend régulièrement ici dans le sud de la France. Eh bien, une cornemuse, en fait, chaque pays a une cornemuse. Ce n'est pas que l'Écosse. En fait, le principe de la cornemuse, c'est le son continu qu'on ne peut pas faire avec nos propres poumons, sauf certaines techniques de souffle continu, mais c'est pas évident. Et donc, ce souffle continu, c'est grâce à une réserve d'air dans un sac que l'on remplit, et donc c'est une respiration continue grâce à cette réserve d'air. De ce sac sortent des tuyaux qu'on appelle des bourdons, des drones en anglais. Et donc, c'est de là sort un son basse continu qui correspond à la tonalité de la cornemuse. Donc, il y a un bourdon aigu, un bourdon médium et un bourdon basse. Et ensuite, il y a le hautbois sur lequel on fait la mélodie. Et donc, l'intérêt de la cornemuse irlandaise, c'est qu'il y a en plus des régulateurs, des genres de petites clés pour faire l'accompagnement de la mélodie qui correspondrait, là j'ai du mal à vous montrer au niveau de l'image, mais ça peut correspondre à la main gauche du piano pour faire quelques accords de notes en plus de la mélodie. C'est un instrument, avant bien sûr, vous l'avez commencé à nous le dire, mais c'est un instrument en bois. Et à quelles autres matières y a-t-il dans cette cornemuse? Alors, il y a de l'ébène, du laiton, du roseau, du cuir, du fil poissé. Il n'y a plus d'ivoire, bien sûr, il y a du faux ivoire, parce que maintenant, on ne peut plus mettre de l'ivoire, mais c'est du faux ivoire. Et aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un soufflet. Dans cette cornemuse irlandaise, on ne souffle pas dans le sac, c'est toujours ce qu'on me dit, mais d'où arrive l'air, vous ne soufflez pas dedans. Et c'est un soufflet qui est sous l'autre bras, et c'est pour ça que cette cornemuse s'appelle Huilén, parce que Huilén veut dire coude en gaélique, Huilén pipes, le coude et les tuyaux. Et Huilén s'écrivait autrement même avant, il voulait dire union des tuyaux. Voilà. Mais cette cornemuse d'origine, elle a été inspirée par la musette de cour qui était jouée dans la cour du roi de France, et c'est vers le XVIIe siècle. Et ensuite, il y a eu le pastoral pipes, elle s'est construite petit à petit, et les régulateurs ont été rajoutés très récemment, enfin il y a 200 ans quoi, pas plus. Et donc c'est vraiment un instrument qui est joué en Irlande dans les églises. Quand il n'y a pas d'orgue, ça remplace l'orgue quoi. Et donc plusieurs messes sont animées par cet instrument. Et bien sûr par des chants gaéliques.
Véronique, vous nous avez présenté cet instrument donc que vous avez fait faire, vous avez attendu pendant 3 ans et demi. Ça doit être un instrument cher, onéreux pour vous. Ah ben, j'ai commencé par une cornemuse de base. J'avais juste le sac, le soufflet, le hautbois, tout simplement. Et ça suffit pour commencer. Et évidemment, ce sont des luthiers qui font ça. Ça se trouve pas dans les magasins. Et le parcours est difficile parce qu'il faut trouver un bon luthier. Moi, là, j'ai quand même essayé 3 luthiers avant d'avoir celle-là. Mais j'ai commencé petit à petit à la monter, quoi. J'ai commencé avec le hautbois, le sac et le soufflet. Après 2-3 ans, pour m'habituer à ce système de soufflet, de sac, c'est pas évident, c'est une respiration artificielle. Et après, quelques années après, j'ai ajouté les bourdons, et après 7 ans, j'ai acheté les régulateurs. Donc c'est petit à petit que ça se monte, parce que c'est onéreux, et puis c'est pas la peine d'avoir tout tout de suite, parce que l'apprentissage est long, donc il faut du temps et rajouter les difficultés petit à petit. Quand vous dites que vous rajoutez des difficultés petit à petit, c'est-à-dire que une cornemuse est évolutive finalement. Vous avez pu vous contenter de la première partie de l'instrument pour jouer. Bien sûr, mais on veut toujours plus, et puis c'est tellement plus joli aussi de pouvoir maîtriser totalement cet instrument. Là, je joue depuis 20 ans cette année. Mais j'aborde à peine les régulateurs, quoi. Y a un proverbe qui dit en Irlande, il faut 20 ans pour jouer de la cornemuse, pour savoir jouer de la cornemuse irlandaise. Moi, je dis qu'il faut toute une vie, qu'on n'a jamais fini. D'autant plus que le répertoire irlandais est vaste, très vaste. Alors, un répertoire vaste, un long temps d'apprentissage, mais quand vous dites que vous avez mis plus de 20 ans, enfin quasiment, pour commencer à maîtriser cet instrument comme vous le maîtrisez aujourd'hui, comment vous avez, pendant ces 20 ans, vu faire? Vous avez regardé des concerts, vous avez été auprès de maîtres cornemusiers? Alors, je reviens un petit peu en arrière. Quand j'étais en 97, la première fois que je suis montée en Irlande, je n'avais pas encore de cornemuse, et je suis partie étudier la rythmique, c'est-à-dire le bodhrán, qui est un instrument celtique de percussion. Et donc, je me suis imprégnée des rythmes de jig, de reel, de hornpipe, de polka. Et en sortant d'un cours, j'ai entendu une cornemuse jouer, et j'ai poussé la porte. Et il y avait Brian McNamara qui jouait dans une pièce, et j'ai commencé à pleurer tellement c'était joli. J'ai mis 2 ans pour faire ma cornemuse, pour décider que j'allais jouer cet instrument surtout. Et quand je me suis représentée en Irlande à ce stage, eh bien, la destinée a fait que je suis retombée avec ce même professeur que j'avais rencontré par hasard quelques minutes. Et Brian McNamara, je l'ai suivi pendant plusieurs années, je le suis encore. Et j'en ai rencontré d'autres, Mick O'Brien, Paddy Keenan, Mikey Smith, Porek McGovern. Et donc j'ai monté tous les ans, passé mes vacances en Irlande, en summer school, en école d'été, plusieurs semaines. Et tout ça pendant 20 ans, quoi. Et donc, évidemment, je revenais avec des enregistrements, des extraits vidéo, et après, je travaillais chez moi. Oui, parce que je suppose que comme vous résidez à Marseille, vous ne faisiez pas des allers-retours par semaine. C'était au cours de sessions, en fond. Vous avez suivi des sessions. Vous avez dû en tirer du bénéfice. Est-ce que vous étiez seul élève, ou est-ce que vous étiez un petit groupe à apprendre? Alors, j'étais une des premières filles à avoir une cornemuse en France, bien sûr, hein, un full set, c'est-à-dire la cornemuse complète. Et en fait, en Irlande, j'étais un peu leur mascotte française. Du coup, je montais toute seule, et puis j'allais à l'aventure, quoi. Même au début, je ne parlais même pas un mot d'anglais, quoi. Et c'était assez difficile, quoi. Et c'est là que vraiment le travail d'oreille fonctionne, parce que je ne parlais pas du tout anglais, donc je répétais en regardant le professeur, je répétais gestuellement ce que j'entendais, quoi. Véronique, cet instrument là qui est un instrument très beau, un son très particulier, ça s'enseigne vous avez suivi vous avez vu des vidéos, vous avez ramené des cassettes. Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce qu'il y a des écoles de cornemuse en Irlande par exemple, ou ailleurs?
Oui, bien sûr, il y a des écoles à Dublin, il y a le NPU, Napierberry Ullen Pipes, et puis il y a des stages ici en France, et moi-même maintenant j'enseigne la cornemuse et le tin whistle. Et donc maintenant on fait venir des professeurs d'Irlande, et donc il y a des stages en France, il y en a à Toucane l'été, il y en a à Albier dans les Alpes. Et puis voilà quoi. Moi-même j'ai fait venir donc mes professeurs français, mes professeurs irlandais en France, et on organisait des petits stages quoi. Et cet enseignement il est particulièrement oral. Donc l'intérêt de la tradition orale c'est que c'est pas nécessaire de connaître le solfège pour faire de la musique. C'est juste, comme je dis, l'enseignement oral. C'est pas la peine de donner un journal à lire à un enfant s'il ne sait pas parler. Et donc tout passe par le son, et ensuite, ben, si vous avez envie d'apprendre le solfège, ça n'empêche pas que vous pouvez apprendre le solfège, mais il est très important que l'enfant ait l'instrument dans les mains et joue par mimétisme et développe son oreille musicale, et ensuite aborde le solfège. C'est moins frustrant. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, je n'ai pas touché d'instrument avant 4 ans de solfège. Et franchement, c'est un petit peu décourageant. Et là, actuellement, je suis invitée par le Conservatoire d'Istres pour 5 ateliers au cours de l'année 2020 pour enseigner aux enfants la méthode orale, de technique orale d'enseignement aux enfants sans instrument, quoi. Sans solfège, voilà. Donc les professeurs sont de plus en plus intéressés. Véronique, c'est donc une transmission complètement orale, par mimétisme. Il faut donc avoir une très bonne oreille musicale, comme on dit. Est-ce qu'il y a des partitions? Est-ce que ça s'écrit? Est-ce que vous écrivez? Quand vous composez, parce que vous composez ici, est-ce que vous écrivez? Parce que comment vous souvenir de ces sons? Alors il y a un truc très rigolo, c'est que je dis toujours aux élèves, il faut chanter. Il faut chanter tant que vous n'arrivez pas à mémoriser le chant dans votre cerveau, vous hésiterez toujours sur votre instrument. Alors la tradition orale, c'est-à-dire ça se lilte. Le lilting est une technique que les Irlandais utilisaient quand ils n'avaient pas d'instrument afin de ne pas perdre le répertoire irlandais de leur musique. Ils liltaient les morceaux, par exemple une jig, Garrett Barrett jig. Ça se chante comme ça. Et donc moi tout mon travail de répertoire, c'est insolite, mais je fais ça en conduisant la voiture. Pendant des kilomètres de route, je chante et je retiens les morceaux comme ça, en les chantant comme une pièce de théâtre, quand on apprendrait un texte. La musique, c'est pareil. Et ensuite, vous prenez l'instrument et vous ne pensez même plus aux notes. En fait, c'est directement la chanson qui est dans le cerveau qui passe dans l'instrument. Sans intellectualiser, je fais un sol, je fais un si. Non, ça doit passer naturellement. Et là, l'instrument remplace la voix vraiment. L'instrument devient notre bouche, notre langue et notre façon de s'exprimer dans la pensée et dans le cœur, bien sûr.
Véronique, donc cette musique-là que vous vous répétez, que vous liltez, si je traduis en français, le lilting, vous le répétez dans la voiture, c'est une façon pour vous de l'écrire et de la mémoriser. Vous savez, ça me fait penser, toute proportion gardée bien sûr, au chant en langue qu'on fait dans le renouveau charismatique, là, où les gens partent et puis hop, ça part. Ou aussi, il y a une technique d'apprentissage de l'évangile qui s'appelle l'évangile au cœur. L'évangile au cœur, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez pratiqué. Au fond, on répète des morceaux d'évangile jusqu'à ce que, des courts versets d'évangile jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Et après, on possède l'évangile. Enfin, ceux qui pratiquent ça possèdent l'évangile. Vous, au fond, avec le lilting de la cornemuse, c'est ce que vous faites. Véronique, moi, ce que je voudrais savoir, c'est cette musique-là que vous écrivez peut-être parce que vous avez un peu de solfège. Est-ce que c'est une musique savante? Je veux dire, est-ce que c'est, il faut être un grand maître, un grand musicien? Mais ça, apparemment pas, puisque vous l'enseignez à des enfants qui ne connaissent rien. Bien sûr. Non, c'est pas une musique savante, c'est une musique populaire. Et puis savante, ça veut dire quoi en fait dans la musique? Faudrait d'abord me donner la définition d'une musique savante. Enfin, moi je sais pas, la musique ça sort du cœur, ça sort de l'âme, ça sort de soi. C'est vrai, comme vous dites, de répéter des versets, tout ça, etc. Et moi je trouve que la musique est un langage universel et... C'est vrai que j'ai trouvé ça génial en Irlande, c'est que tu arrives en Irlande dans les festivals, il y a des gens du monde entier, mais du monde entier, qui ne parlent même pas la même langue que toi, et on joue ensemble, on dirait qu'on a tout le temps joué, comme quoi c'est un langage universel, on joue des morceaux communs et on s'est jamais vu, et on dirait qu'on joue depuis des années, et je trouve que c'est un langage que tu peux parler à quelqu'un qui ne parle pas de ton langage. Il va comprendre ce que tu veux lui dire dans l'interprétation parce qu'on y met de l'intention, on y met de l'amour, on y met du sentiment. Et c'est l'avantage de la technique orale parce que dès qu'on lit une partition, la conscience du regard est fixée sur la partition et ça fige un peu l'interprétation du cœur. Tandis que si vous jouez les yeux fermés, comme O. Caroline était un très grand compositeur aveugle et il a fait des superbes compositions parce que il s'inspirait directement de son âme. Il n'y avait pas de visuel, quoi. Et donc, c'est l'expression du cœur même, quoi. Et c'est vraiment universel, quoi. Véronique, ces grands compositeurs-là, je suppose qu'ils ont composé ça chez eux, peut-être, mais aussi dans des églises. Est-ce que, à l'origine, c'était une musique religieuse qui était jouée dans les églises ou dans des lieux de rassemblement à l'occasion de manifestations religieuses? Mais on demande souvent aux cornemuses irlandaises, aux joueurs de cornemuses irlandaises, de jouer sur les tombes quand on enterre quelqu'un, les harpistes et les joueurs de cornemuses, de jouer des pièces, des slow air pour transporter l'âme près du Christ. C'est très émouvant souvent. Oui, la musique est jouée dans les églises et dans des sacrements, bien sûr. Vous savez, ça me fait penser au doudouk arménien. Le doudouk arménien, c'est pareil, c'est un instrument avec des hanches et tout ça, qui se joue aussi à l'occasion non seulement des cérémonies sombres et tristes et funèbres, comme les enterrements, mais aussi à l'occasion de mariages, de première communion. Est-ce que là, on joue aussi pour animer une cérémonie festive? Oui, bien sûr. J'ai déjà animé des mariages et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un mariage... entre guillemets celtique et ça se passait dans une prairie j'ai joué de la flûte et de la cornemuse et c'était très émouvant, c'était très dans la nature, comme quoi il y avait de la prière même en dehors d'une église, quoi. Il se passe des choses avec la musique. Véronique, donc cette musique qui est une musique populaire au fond, qui se joue pas forcément à l'intérieur d'un bâtiment. Ça doit être très beau avec la résonance que vous avez prouvé ici à Saint-Cléophas à Montpellier. Vous l'avez joué dans des prairies. Je suppose que le son doit porter bien. Toute idée comparée, est-ce qu'il y a des spectacles sur des scènes musicales, dans des salles de concert? Est-ce qu'il y a des concerts de cornemuses?
Oui, ben, il y a des concerts de cornemuses et il y a aussi des cornemuses accompagnées d'autres instruments comme le violon, le banjo, le bouzouki, la flûte, la guitare. Et il y a des concerts, il y a de la danse, oui, c'est très complet. Donc vous connaissez River Dance, vous connaissez... Là, récemment, j'ai vu Celtic Legend, c'est à recommander, parce que c'est, je vais pas dire du mal de River Dance, mais c'est du playback, malheureusement. Et Celtic Legend, les musiciens sont vraiment là sur scène, sans bande-son, avec des vrais danseurs, et on retrouve l'authenticité de... du pub vraiment et des spectacles irlandais sans rentrer trop dans le showbiz et il y a quand même l'être humain est trop habitué à la perfection musicale, au CD numérique et tout, et souvent dans les spectacles il y a des bandes son et on est trompé, c'est du playback bien organisé et c'est tellement beau de voir des petites imperfections du direct. Moi j'aime bien. Donc et dans Celtic Legend, on retrouve cette authenticité musicale dans leur spectacle quoi. Très bien. Donc, ça veut dire que on peut tricher avec la cornemuse. C'est du pré-enregistré, dites-vous, des bandes de son qui passent. Bon, c'est moins agréable. Et puis, vous, qui êtes musicienne, vous reconnaissez tout de suite ce genre d'ultra-perfection. Bon, c'est pas bien. Dites-moi, non, mais parce que quand même, enfin, je sais pas, je veux pas justifier les Celtic Legend, mais je suppose que c'est parce qu'ils dansent, peut-être. Il y a une animation, ils dansent sur scène et ça doit être difficile de jouer et de danser. Mais il y a 6 musiciens et il y a des danseurs. C'est complètement, c'est pas les musiciens qui dansent. Parce que moi, là, je pourrais même pas danser avec la cornemuse puisqu'il faut que je joue assis. Malheureusement, parce que c'est un doigté fermé et le bas du hautbois repose sur la jambe pour avoir un doigté fermé, de l'air comprimé dans le hautbois. Donc, non, je ne danse pas en jouant. J'ai pas encore cette capacité. Je chante juste à peine parce que je ne souffle pas dans ma cornemuse. Donc, j'arrive à chanter. Mais c'est tellement un instrument qui demande tellement de concentration qu'il faut des années pour sourire en jouant de la cornemuse. Si vous regardez les joueurs de cornemuse irlandaises, ils ne sourient guère tellement ils sont concentrés sur leur instrument. Donc déjà, quand on arrive à sourire, c'est déjà très très bien. Pour la technique, Véronique, alors on vous demande si vous soufflez dans le comment vous appelez ça d'ailleurs, une baudruche? Non, j'ai comme je disais tout à l'heure, j'ai un soufflet, donc j'ai la bouche libre qui me permet de parler aux voisins et de mâcher du chewing-gum, ce que vous voulez, mais et donc j'ai un soufflet qui alimente le sac, la réserve d'air. Et c'est pour ça que ça s'appelle Whelan Pipes, parce que c'est une cornemuse à coude qu'on alimente avec le coude droit et le sac se trouve sous le coude gauche. Et ensuite les instruments les bourdons et les régulateurs sont posés sur la jambe. Donc vous ne soufflez pas en fait, c'est pas vous qui alimentez, c'est le soufflet que vous avez à main droite, puisque je vous vois avec votre cornemuse qui est à main droite et qui, en soufflant, gonfle le sac et qui reproduit ensuite ce son.
Véronique, vous nous avez dit que vous avez appris cette musique de manière par l'oreille uniquement en Irlande. Vous la jouez à Marseille, vous enseignez maintenant où on vous appelle bien sûr, à Digne bientôt, vous m'avez dit. Où est-ce qu'on joue au fond? Dans quel pays joue-t-on de la cornemuse? Est-ce qu'il y a des régions, hormis l'Écosse, où l'on joue de la cornemuse? La cornemuse irlandaise en Irlande, elle est répandue beaucoup en Irlande, bien sûr, et en Bretagne, sur Paris, et puis maintenant un petit peu partout dans les autres régions de France. Donc, par exemple, à Marseille, nous sommes trois. Il y a Nicolas Garnier qui maintenant fabrique des cornemuses. Il s'est non seulement passionné de cornemuses irlandaises, mais il est devenu luthier. En fait, c'est mon premier élève à qui j'ai donné des cours. Et il était ébéniste, donc au début, il restaurait des meubles. Et quand il voyait ma cornemuse, il a regardé sur tous les bords et il a démonté, il regardait comment c'est fait. Et puis petit à petit, il s'est acheté un tour à bois et voilà, et maintenant nous avons un luthier et nous sommes fiers d'avoir un luthier dans le sud de la France. C'est pas commun. Lui, il sait fabriquer des cornemuses, mais est-ce qu'il y a plusieurs sortes de cornemuses ou est-ce que c'est un instrument qu'on duplique, qu'on copie au fond et puis il n'y a pas plusieurs formes? Est-ce qu'il y a plusieurs formes? Mais les cornemuses, il y en a 14 sortes en France. Et il y a les cornemuses du centre France, il y a les cornemuses du Languedoc, il y a les cornemuses du Limousin, il y a les cabrettes d'Auvergne et puis plusieurs cornemuses en Bretagne. On est un des pays les plus riches en cornemuses, mais sachez que le principe de la cornemuse existe carrément dans tous les pays, évidemment selon comment elle est faite, selon le hautbois, selon l'anche, ça a des sons plus ou moins aigus, criards. Voilà, la mienne c'est une cornemuse de concert, celle d'Écosse c'est plutôt pour le défilé, ça se joue debout en défilant, c'est plus pour l'armée quoi. Et la cornemuse irlandaise est devenue une cornemuse de concert. Voilà, tiré de la cour des Pastoral Pipes, comme j'expliquais auparavant. Effectivement, cet instrument est joué par des groupes musicaux, notamment dans les armées, vous l'avez dit. Tout le monde a en souvenir, pour ceux en tout cas qui ont vu Le Jour le plus long, les bagpipers écossais, qui étaient à l'avant des troupes durant le débarquement de la Seconde Guerre mondiale et qui jouaient pour entraîner les troupes. C'est donc une musique qui peut être entraînante, qui peut servir de musique de marche. Oui, oui, tout à fait. Ça peut servir de marche. Il y a des marches, des polkas, il y a des jigs, il y a des reels, il y a toutes sortes de rythmes dans la musique. Moi, malheureusement, je ne marche pas avec ma cornemuse parce que je joue assise. Mais auparavant, il y avait un pavillon en bas du hautbois et on pouvait jouer debout. C'est ensuite sur la, quand les Irlandais ont été interdits de faire de la musique par les Anglais, on arrachait les ongles aux harpistes et les cornemuses se cachaient dans les maisons pour jouer. Et donc, on a dévissé le bas du pavillon à ce qu'on raconte en bas du hautbois. Et on a commencé à jouer assis pour pas se montrer dans la rue. Et la musique était carrément secrète. Pourquoi était-elle secrète? Pourquoi est-ce que les Anglais ont interdit aux Irlandais de jouer au fond de la musique? Ils leur arrachaient les ongles, mais ce sont des mœurs. Je ris jaune, si vous voulez. Ce sont des mœurs de sauvages, dites. Mais simplement parce qu'ils empêchaient les Irlandais de comploter entre eux, de danser au coin des rues, dans les villages, tout ça. Donc ça faisait des points de rassemblement, il y avait des chansons politiques, des messages étaient passer un peu pour la résistance, quoi. Et donc, on interdisait tout, quoi. Alors, les mœurs ont changé, fort heureusement. Je suppose qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni accepte que, puisque d'ailleurs, en Écosse même, il y a des groupes de bagpipers, dans l'armée britannique aussi. Nous aussi, nous avons dans notre armée française, en tout cas la marine nationale, entretient le fameux bagad de Llanbihué. Est-ce que vous l'avez déjà entendu jouer, le bagad de Llanbihué, en Bretagne? Oui, et je voudrais aller au Festival de l'Orient, tout le monde m'en parle, Festival de l'Orient, tout ça. Mais j'ai carrément, à ces dates-là, j'étais toujours en Irlande pour étudier
la cornemuse irlandaise. Donc, je ne suis malheureusement pas allée au Festival de l'Orient, quoi. Mais ça va pas tarder. Véronique, vous nous avez dit beaucoup de choses sur la cornemuse, l'art de la cornemuse que vous avez appris un peu toute seule, enfin avec des musiciens, mais par répétition, par mimétisme. C'est un très bel instrument. On a entendu vos morceaux. Mais vous ne jouez pas que de la cornemuse. Vous jouez aussi de la flûte et pas n'importe quelle flûte. Est-ce que c'est un retour à votre apprentissage de quand vous étiez enfant de la flûte traversière? Ben tout à fait, parce que quand j'ai découvert la musique irlandaise, j'avais pour seul outil une flûte traversière à plateau, et je me suis vite rendu compte que ça me bloquait un peu dans les ornementations, et j'ai voulu monter en Irlande et j'ai découvert le tin whistle, qui est un instrument très 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 simple. C'est juste un tube avec 6 trous. Encore plus simple que la flûte à bec que l'on trouve à l'école ici. Et donc c'est une petite flûte à 6 trous qui vaut même pas 10 euros et qui est vraiment une ouverture sympathique pour les enfants. Là, dès 2 ans en Irlande, ils ont ça dans les mains. Et il y a plusieurs tonalités. Bon, en musique irlandaise, on joue en tonalité de ré. Et là, les flûtes sont... que si je vous conseille, c'est les flûtes génération que l'on commande sur internet à Hobgoblin en Angleterre. Et les flûtes génération sont très bien, donc elles existent en laiton ou en inox, comme on préfère. Le son est un peu plus mat en laiton, mais ça donne un peu cette sonorité, ce timbre irlandais. Après, en inox, c'est un petit peu plus brillant, un peu plus froid aussi. Et puis le bec est en plastique. Et voilà, donc les flûtes génération sont très très bien. Donc ça coûte que 10 euros et puis on peut commencer la musique irlandaise ou toute autre musique avec des petites flûtes comme ça. C'est très sympa. Le doigté est très simple. Et pourquoi on appelle ça tin whistle? Parce qu'avant... tin whistle, tin ça veut dire étain, et donc les flûtes c'était des feuilles d'étain roulées et percées. Whistle ça veut dire siffler, et on mettait un bout de bois en haut pour faire le sifflet, et c'était des feuilles d'étain roulées à l'origine, donc c'est pour ça qu'on les appelle tin whistle. Véronique, c'est un instrument qui est beaucoup moins cher, évidemment, vous venez de le dire, que la cornemuse que vous avez montée petit à petit. Une question qui me vient, bon, effectivement, c'est très simple, 6 trous de taille plus ou moins différente, et un bec en plastique. Tous sont montés avec un bec en plastique, il n'y a pas de bec plus riche, je veux dire, en bois, en ébène, en ivoire, peut-être. Est-ce qu'il y a différentes sortes de becs? Oh ben là, il y a même différentes sortes de tin whistle, c'est-à-dire de fabrication de tin whistle. Là, je vous parle du tin whistle de base pour les enfants quand ils commencent la musique irlandaise. Et puis après, il y a des tin whistle qui sont faits par des luthiers. Donc de 10 euros, vous passez vite à 250 euros. Et donc les becs après sont faits par des luthiers avec des recherches de son le plus pur, quoi. Là, je travaille avec la musique que vous avez entendue. C'est avec un Michael Burke, un luthier de tin whistle qui est aux États-Unis, et c'est Mick O'Brien, un célèbre joueur de cornemuse qui joue sur cet instrument-là et qui me l'a conseillé. Et il en avait plein le coffre de la voiture, et un jour en Irlande, j'ai dit « Oh ben, je peux t'en acheter une ». Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un tin whistle Michael Burke qui a un son merveilleux dans les églises, quoi. Donc cet instrument, est-ce qu'on passe facilement est-ce qu'on commence par quoi? Par la cornemuse ou par la flûte? Est-ce que l'un mène à l'autre? Je pense que c'est plus simple de commencer par la flûte. Déjà, le prix est plus abordable, le doigté est plus simple. Et souvent, moi, j'apprends les airs sur le tin whistle et ensuite,
Déjà parce que j'habite en appartement, donc il faut que je fasse pas trop de bruit pour les voisins. Donc je joue beaucoup de tin whistle et de flûte en ébène dans mon appartement. Et après, ben quand je peux, je joue de la cornemuse là où je peux pas trop déranger les gens. Et c'est on passe d'un instrument à l'autre. C'est plus pratique et j'ai même des élèves qui ont toujours et moi-même aussi un tin whistle dans la voiture, c'est-à-dire quand il y a un embouteillage ou qu'on est trop énervé, ben on joue un air de tin whistle. Moi au début, il fallait que je termine le morceau au feu rouge avant que ça passe au vert. Voilà, donc il fallait que je joue de plus en plus vite. Alors ce tin whistle que vous jouez en même temps que la cornemuse, ça vous calme donc dans les embouteillages. C'est tellement simple que vous dites que les enfants les ont. Est-ce que ça leur sert dans les cours de musique? Est-ce que je suppose que les petits Anglais sont comme beaucoup de petits Européens, ils ont des cours de musique à l'école. On commence par ça, par le tin whistle. Et oui, j'ai moi-même été chez mon professeur Tiernan O'Dinkin cet été. Et le soir, après le souper, il y avait une demi-heure de musique tous les jours. Un peu comme la Bible, quoi. Et les parents apprenaient un air à leurs enfants, quoi. C'est presque pas obligatoire, mais c'est une coutume de jouer le tin whistle à la maison aux enfants. Voilà. Bon, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais ça l'a été longtemps, quoi. Et donc ça fait partie de la tradition et en Irlande, les musiciens commencent donc très tôt à jouer. Donc après, à l'âge de 14 ans, c'est eux qui sont les profs, quoi. Je me suis retrouvée dans des classes de musique en Irlande. Le maximum, moi j'étais la plus vieille et c'est un garçon de 12 ans qui me montrait toutes les techniques. Donc à 11 ans, ils sont déjà profs, quoi. C'est d'un niveau exceptionnel et vous pouvez regarder sur internet les qualités musicales des Irlandais, c'est impressionnant, quoi. Je peux vous donner quelques groupes à écouter, Lunasa, Dervish, Altan, évidemment Botty Band des années 70, et voilà, et vous allez vous régaler. Véronique, alors, donc tout le monde joue un peu de la musique, ce qui est un peuple musicien que les Irlandais. Dites-moi, vous avez évoqué un peu les veillées, les soirées où les gens se rassemblent pour parler, puis pour faire de la musique. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir, pas un orchestre, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent jouer de la cornemuse et d'autres du tin whistle? Est-ce que tout ça reste harmonieux? Oui, bien sûr, les instruments peuvent se rejoindre. Le problème de la cornemuse, c'est que elle est dans une tonalité bien particulière selon laquelle on l'a choisie, quoi. La cornemuse est en tonalité de ré, mais il y en existe en do, en si bémol, et donc il vaut mieux jouer avec un piano ou une guitare qui peut s'ajuster à notre tonalité, bien sûr. Un dernier mot sur la cornemuse, vous avez quelque chose à dire sur la cornemuse? Un dernier mot, parce que vous pourriez rester encore 2 heures avec moi. Un dernier mot sur la cornemuse? Bien, j'encourage ceux qui veulent découvrir la cornemuse
d'avoir le courage de jouer l'Huile and Pipes, parce que quand je parcours un peu tous les joueurs de cornemuse, en fait, c'est un peu leur idéal, parce que c'est une cornemuse la plus complète et la plus compliquée, la plus difficile. Et il faut pas avoir peur. Moi, je voulais passer par la cabrette au départ, ou par la cornemuse du Centre France, aller petit à petit vers l'Huile and Pipes. Et en fait, j'ai eu le courage d'affronter cet instrument directement. Et il faut pas avoir peur, quoi, parce que ça a été un plaisir chaque jour, même si c'est pas évident. Mais comme c'est un plaisir de jouer, ça n'a pas été vraiment difficile pour moi, quoi. N'hésitez pas à me contacter au duemvero@gmail.com ou mon téléphone 06 70 06 48 78 si vous voulez des renseignements sur des luthiers, sur où est-ce qu'on peut apprendre, tout ça, et je vous renseignerai. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à vous appeler la radio, on vous donnera bien volontiers les coordonnées de Véronique Duhem. Véronique, merci beaucoup, merci de nous avoir fait partager tout le plaisir que vous éprouvez à jouer de la musique de la cornemuse, notamment dans les églises, et donc je suppose que vous répondrez bien volontiers à tous les curés et autres administrateurs d'église qui souhaiteraient vous avoir. Véronique, merci, bonne route. Au revoir Véronique. Merci, c'était avec plaisir.